مالك الوالد غادي زربان؟ يا بنتي راه دخلت للزيتون ولقيت هذا المرض هذا عندي في الشجر هنايا، ودابا انا غادي عند الناس ديال الفلاحه باش نشوف هذا اللي يعطيوني الدواء ديال هذا الشجر هذا. بلا ما تعذب راسك، راه قالوا لنا في المعهد الفلاحي بلي كاينه واحد الطريقه بسيطه تقدر تستعملها. بحالاش يا بنتي؟ هي غادي نصيفطوا التصويره والسؤال ديالنا لواحد الموقع في الانترنت وهما غادي يجاوبونا في الحين. En effet, Ardna, issu du modèle Vercon appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, au niveau international, est un réseau virtuel d'appui-conseil, de formation, de recherche et de communication qui permet aux petits agriculteurs de s'informer en temps réel sur leurs problématiques quotidiennes, les dernières techniques et méthodes en matière de développement agricole. ADNA permet de mettre en réseau des acteurs géographiquement éloignés afin d'améliorer les interactions entre les agriculteurs, la formation, l'enseignement supérieur, le conseil et la recherche agronomique. Le projet ADNA est mis en place au Maroc par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime en partenariat avec la FAO. Dans le cadre du plan Maroc Vert, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime accorde une grande importance à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur agricole et mise sur l'impact du caractère interactif et fédérateur de ce projet. Ce réseau vient en appui du pilier 2 du plan Maroc Vert consacré à l'agriculture solidaire dans laquelle l'État joue un rôle de locomotive. Le plan Maroc Vert lancé en 2008 a permis une augmentation de 40% de la production agricole, 50% de l'utilisation de semences sélectionnées, 27% pour l'utilisation de la mécanisation agricole et une extension de plus de 30 000 hectares par an de la superficie utilisant les systèmes d'économie d'eau. Cette dynamique du plan Maroc Vert a créé une base solide de partenariat dans le cadre de la recherche, de la formation et du conseil agricole. Donc à ce titre-là, une vision stratégique a été établie pour renforcer les acquis, que ce soit en matière de recherche, de formation et de conseil agricole à travers des programmes de partenariat avec les associations professionnelles. Parmi les modules consultables sur le réseau ADNA se trouvent les bonnes pratiques, les publications, la rubrique Femmes rurales, la formation, l'expertise et le module questions-réponses qui permet aux agriculteurs, aux conseillers agricoles ou tout autre usager intéressé d'accéder de manière plus simple et plus rapide à l'information. ARDNA est un réseau collaboratif composé des services du ministère de l'Agriculture au niveau régional, notamment la recherche agricole, la formation, le conseil agricole et l'ONSA. Il est aussi composé des organisations d'agriculteurs, notamment la Chambre d'agriculture, les associations et coopératives agricoles et féminines. Le réseau prévoit également la participation des secteurs privés comme partenaires. Une borne interactive au niveau des directions régionales permet l'accès à la plateforme ALDNA. L'agriculteur ou tout autre usager de la plateforme est invité en premier lieu à procéder à l'ouverture d'un compte, puis s'authentifier. Il a alors deux possibilités. Consulter les questions et réponses déjà publiées. Salam alaikum. Khair. Lebes. Jabkallah. مؤخرا بديت نشوف الخرفان ديالي كتبان عندهم شي كحوليه في السنان. غنشوف لك في شبكه ارضنا اللي دارتها الفلاحه، راه كيكونوا كاع المشاكل ديال الفلاحه مطروحين فيها وتما كيكونوا الاجوبه. المشكل ديالك راه فيتلي مطروح، والمرض اللي كتهضر عليه راه سميتو درغموس. الحل سهل، عطيت الكتيبان ديالك علف مخصص فيه واحد الماده زايده تحل لك المشكل اللي عندك. Des compléments d'information sous forme de vidéo peuvent être également consultés. الغلم اللي كتكون عندها اسلالام كيكون حتى في العمر ديالها كتعيش بزاف وكيبقى العظم ديالها صحيح. Si la réponse n'est pas disponible, l'utilisateur peut poser une nouvelle question et joindre des fichiers attachés. La question posée arrive au niveau de la direction régionale de l'agriculture qui, à son tour, a trois possibilités. Valider, répondre et publier la réponse. Orienter vers d'autres partenaires adéquats pour répondre. Ou encore,
orienter ou attendre la réponse au niveau national si au niveau régional elle n'est pas apportée. Le ou les partenaires apportent la réponse, la direction régionale la publie et devient ainsi disponible sur la plateforme. Une alerte par SMS et par email est alors envoyée aux personnes concernées. Le secteur agricole au Maroc emploie près de 40% de la main-d'œuvre active du pays et participe à hauteur de 19% au produit intérieur brut national. Le réseau ALDNA, réalisé à titre pilote dans les deux régions Meknès-Tafilelt et Chaouia-Waltira, sera généralisé à l'ensemble des régions du Royaume. Il est appelé à jouer un rôle pivot dans le transfert des connaissances et expertises marocaines, y compris dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Alhamdoulilah, à l'ARDNA, rajabtna l'hal talbini dina.